Summer Project dans The Division. Alors, un petit peu comme Noël dernier, les développeurs de The Division nous font un petit concours avec des défis journaliers. Il y en aura plusieurs. Alors, le premier n'est pas forcément compliqué, on va quand même regarder ensemble comment le faire facilement, même si c'est en anglais. L'objectif, c'est de réaliser deux missions en coop. Alors, ils disent en groupe, hein, c'est pas forcément une histoire de clan, vous pouvez le faire avec n'importe qui. Alors, si vous avez des copains, ça posera pas de soucis. Sinon, vous pouvez lancer facilement des matchmaking sur les missions que vous souhaitez. Alors, moi, j'aime bien, par exemple, Lincoln Memorial. C'est une mission très, très rapide quand on la connaît bien. Vous sélectionnez la mission, vous mettez dans le niveau de difficulté que vous aimez le mieux. Normal, sera très bien pour aller vite. Vous faites matchmaking et des gens vont venir vous rejoindre. Et ça vous permet de lancer une mission et de la faire en coop. Vous pouvez faire deux fois la même mission, c'est pas un souci. Vous pouvez également lancer la traque. Lors de la traque, vous ferez une mission. Et quand vous avez réalisé les deux missions, vous aurez une récompense, un super chapeau. Alors ça s'appelle Odea Cowboy Hat. Et dans votre inventaire, voilà à quoi ça ressemble. Alors, ce qui est bien, c'est que si vous le débloquez pour un personnage, même si les projets peuvent être refaits pour tous les personnages individuellement, dès que vous débloquez un élément cosmétique, il est débloqué pour l'ensemble de vos personnages. Voilà, rendez-vous demain pour un nouveau projet.